Bonjour et bienvenue sur L-Types. J'avais très envie de refaire les Resident Evil Remake pour les L-Types. Attends, je vais afficher mon chat. Je suis en train de me faire pourrir la gueule, attendez. Parce que j'ai posé la question de la difficulté. Et je leur ai dit, ouais, je joue à quelle difficulté? Ils me traitent tous de mauviette et de faible si je joue pas à hardcore. Bon, ils ont peut-être pas tort finalement. Donc voilà, on est parti donc à la. On va faire une nouvelle run de Resident Evil 2 Remake. À savoir que c'est une petite série de Resident qu'on va se faire. Donc on va faire le 2, on va faire le 3, on va faire le 4, on va faire RE7 et on va faire RE8. En fait, on va faire tous les Resident récents et remake en fait. Donc voilà. RE8, le boss au couteau jusqu'à 14h du matin. Oh, j'en ai un souvenir, mais tellement douloureux de ça, mais tellement, tellement douloureux. T'es le dieu de la difficulté, je crois en toi, carrément! Bon! Ça ne sera pas aussi hard que sur Scorch Earth. Scorch Earth, oh putain, mais. Ah! Merde, c'est la caméra que je viens d'enlever, c'est pas le chat. Je suis trompé de source! Pardon! Bon, bah du coup, on y va! Nouvelle game! Léon S. Kennedy, hardcore! On y va? J'étais là. Mais merci à ceux qui étaient là. Plus de munitions de l'enfer. Hein, tu te rappelles, Kat? J'avais plus de munitions et pourtant j'avais économisé de ouf. Attends, de quoi? C'est quoi le vote? Qu'est-ce qu'il a mis comme vote? DJ avec ou sans cam? T'es vraiment. Ah les bâtards! Ah les bâtards! Eh, vous laissez paniquer par mes modos, hein! Qui font un vote de ouais, c'est mieux DJ Boucherie avec ou sans la caméra? S'il te plaît, il y a plus de votes en sans la caméra. Vous êtes des ouf. Merci, car c'est gentil. Bon, allez, c'est parti, let's go! Hop, je mets un petit peu de son. Vous avez full le droit de m'aider, hein. Vous avez le droit, à la base le jeu je le connais, donc aidez-moi. Vraiment. C'était vendredi soir dernier, alors que je rentrais du bar, et cette femme a commencé à venir vers moi. La façon dont elle titubait, je me suis dit qu'elle était bourrée. Ok, dis la vérité, t'avais bu combien de verres dans l'histoire? Mec, je t'assure, j'étais quasiment sobre. Et bien sûr. Écoute-moi, d'accord? Quand elle s'est approchée, je l'ai bien regardée. T'aurais dû voir ses yeux, son nez. Tout son visage. On aurait dit qu'il pourrissait. On aurait dit un cadavre. Un cadavre ambulant, mec. J'ai la même à la maison. J'ai jamais rien vu de pareil. J'arrive plus à dormir depuis cette nuit. Allez, détends-toi, tout va bien. Bon, écoute, tu dois rester fort, ok? Laisse pas la peur t'envahir. Le petit Burger King, ouais. Tu t'es jamais fait courser par un. Par des écureuils? Ah non? Je crois pas. C'est pas vrai. Ça devenait intéressant. BAM! Elle a éclaté comme une putain de ballon de baudruche! Oui, une! Oh merde! Pardon, madame. Pourtant, t'as une tête de gland. Ah, le bâtard! C'est ouf! Alors, merci pour le follow de, je cite le pseudo, hein. Bistou couillout de yoyot. Bistou couillout de yoyot. Paf, elle a appris à voler, elle! Déglinguée qu'elle est. Qu'est-ce que j'ai fait? La dame, elle est un peu plate, un peu plus plate maintenant. Oh my god! Vite fait, t'as fini. Shaizu. Non, mais je me doute, hein, je me doute, t'inquiète. Normalement, tous les os sont brisés par contre. Mais peut-être que c'est des petits os intelligents. Même cassés, ils arrivent à être intelligents pour fonctionner. C'est donc ça la solution pour perdre du poids? Quelqu'un veut me rouler dessus? Y'a personne. La question c'est que vu que j'ai. C'est bizarre. Normalement j'ai tous les costumes. Il va falloir qu'on définisse le costume qu'on va utiliser hein, sur la run.
Ah mais je vais forcément me rater hein, dans tous les sens les gars. Je vais... Il va y avoir des ratés dans tous les sens hein. Ça fait quand même un moment que j'ai pas joué hein. Je sais plus où sont les mobs, je sais plus tout ça moi. Ah vous avez pas la déchirure d'écran, tout va bien. Ok c'est parfaitement fluide, c'est parfait. Attends. Eh, attends. Les gars, mesdames et messieurs, faut faire un il va falloir faire un choix. Ah bah ben, je me doute ça, Juxy, tiens. Allez, faites un choix. Décontracté, uniforme, uniforme en étant blessé, uniforme classique en étant blessé, ou le shérif Darkley. Faites un petit choix rapidement sur le chat, tiens. Décontracté, mode à poil, décontracté... Réponse D, décontracté, blessé, classico, un vote décontracté. Pas mal de décontractés qui sortent. Allez, vas-y, on y va. Classique, blessé. Oh, il y a pas mal de décontractés quand même dans vos votes, donc on va prendre ça. Ok, éclair. Tout le monde était content quand j'ai joué cette run-là. Là, quand j'ai joué avec ce costume-là, là, ils étaient heureux comme tout. Débardeur classique. Veste classique. Débardeur ou veste. Ou Elsa Walker. Alors, Elsa Walker... Ah, il faut savoir que le costume Elsa Walker, il a ce petit plus que n'a pas les... que n'ont pas les autres costumes. C'est au niveau du fessier que ça se passe. Voilà, Destiny en se boule. Voilà. Bon, Elsa Walker, quoi. Hein. Ouais, j'ai compris. Allez, on y va. Ah, il faut savoir que c'est un L-Tape et je vais aborder le jeu... En mode fun et pas en mode jeu d'horreur, hein. Parce qu'on le connaît et tout, on va pas faire les faux surpris. Hein. Andito, merci pour le follow. Ah, pub, Kira. Quelque chose tombe par là. Après, j'ai réduit les pubs, hein. Maintenant c'est une minute. Bonjour. Monsieur, ça fait mal, je crois, la jambe. Ça va? Ça va, y'a foule? Bougez pas, je vais revenir vous aider. Tu prêtes les clés, oui. Oh, l'ambiance. L'ambiance est folle. Vite là, qu'ils nous en sortent un nouveau de Resident là. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Arrête de bouger. Est-ce que tout va bien? Reculez, monsieur, je m'en occupe. Et merci pour les follow, bienvenue. Ça doit être bon dans la bouche! Bouge pas! Ou je tire! Qu'est-ce que je kiffe! Le nombre de balles nécessaires! Je trouve ça génial, perso! Je le connais pas celui-là, je crois. Ah! Ah, sérieux? C'est peut-être le meilleur des remakes hein, avec le 4 pour moi. Ouais, le 2 et le 4 pour moi, c'est les meilleurs remakes hein, pour le coup. Eh, hey, les gens. Salut, Crader. Tous les remakes. En gros, tous les récents, je vais les refaire là. C'est prévu. Eh, hey, le chat. Allez, c'est cadeau. Allez, c'est cadeau, les gars. Oh, me dites pas merci. Bah non, bah, c'est de rien. Je suis un très gros fan hein, pour l'info. Et merci pour les follow, c'est très gentil, bienvenue à vous. Donc oui, je vais refaire tous les remakes. Et j'ai prévu RE7 et RE8 aussi. Et j'attends de pied très très ferme. Évidemment, j'attends de pied très très ferme le prochain. Mmh. Disons. Ouais, mais me disais bien que ça allait être la merde là. Ok, donc y'a pas assez de balles dès le début pour tuer le premier zombie. Attends, j'ai encore une balle. Ah, c'est bon. T'as pas un poster pour moi, DJ? Je m'en fous, moi, des filles. Pardon, je t'en trouverai un. Qu'est-ce que ça veut dire? Je
t'en trouverai un, t'inquiète. Je penserai à toi, putain. Mr. Breezy, merci pour... Bonjour. Merci pour ta présence, voilà. Attends, y'a pas des balles qui traînent là? Non. Ouais, c'est bon, on connaît. Oh non! Ah bah je suis mort! A priori! Oh merde! Oula! Ah non, c'est pas bon signe ça! Si ça commence comme ça! Oh merde! Attends, y'a un truc que j'ai dû rater là! Attends! Parce que c'est pas juste une survie normale là? Fin du L-Tape, ce speedrun! Mais ouais, oh putain, faut tout refaire! Bon, attends! Non, bah par contre, qu'on soit bien d'accord les gars! Attention hein! C'est tout sauf facile, hein. Qu'on soit bien d'accord. Hein. Voilà, il faudrait peut-être que je pré-loot des balles, peut-être, si j'en trouve. Ça va? Tu devrais mettre en normal, t'as pas pris la bise? Non, ça devrait le faire en vrai. Ça devrait le faire. Bougez pas, je vais revenir vous aider. Faut faire un compteur de mort. Compteur de mort? Ah, mais putain, je vais pas en faire sur 36 jeux, tu vois, c'est compliqué. Bon, au pire, comptez les morts, comptez. Une. Bouge pas! Ou je tire! Fais chier! Merde! Ok, 4 balles restantes. Eh ouais, il est là le problème, c'est que... C'est marrant, je me rappelle pas que j'avais galéré pourtant au début comme ça. Voilà, comme ça on va là. Là, y a pas de balles là. Rien du tout, monsieur! Pardon, au revoir! Je suis en difficulté hardcore la mouquette. C'est quoi ça? Ok. C'est juste ça en fait qu'il fallait faire. Ah, c'est ça. Tirez pas! Baisse-toi! Donc ouais, je disais, en hardcore, je vous préviens, il va y avoir des ratés, hein. Il va y avoir des die and retry des fois, c'est, ouais. Ça peut être très violent. Hein. Merci. Remercie-moi plus tard, si on s'en sort. Oh mon dieu. John Doe, ça doit être ça. Suis-moi. Tangri, merci pour les 88 mois. Accroche-toi. Merci beaucoup. Oh, Pandi Panda, tu me régales. Merci, t'es adorable, Pandi Panda. Merci pour ton message. Niquer des meufs, c'est mieux que les follow. J'en sais rien. Espérons qu'ils en sachent plus au commissariat. Quoi, des flics? Ouais. Oh, je sais, ça, ton code sœur. Je sais. Quoi? Claire Redfield. T'es du coin? Ça fait plaisir, Vlad Boy. Non. Je cherche mon frère. Lui aussi est flic. Bah, une chance qu'on soit rencontrés. Ça va, The Prof de Techno? J'ai aucune idée de ce qui nous attend. Quel jeu, mais quel jeu, putain! Il était bien, hein. On a un peu galéré, là, sur la fin, mais bah, c'était bien. Bon, du coup, on joue à quoi maintenant? Passe au 3. Salut, Clitis. C'est fini. Mais non. Mais écoute, attends. Mais non. Mais arrêtez. Les gars, le LT, il a démarré il y a 14 minutes. Il peut pas déjà être terminé. 60 balles, 10 minutes de jeu, c'est intolérable. Game Director Hideo Kojima. Une production Ubisoft. En partenariat avec Elon Musk.
avis à tous les citoyens. Suite aux incidents qui touchent la ville, nous vous invitons à venir vous réfugier dans le commissariat. Oui, c'est vrai qu'il y a un mode FPS sur la carte. Des vivres et du matériel médical seront distribués à tous ceux qui en ont besoin. Oh mon Dieu, c'est surréaliste. Le commissariat n'est plus très loin. Ils auront des infos. Le son, c'est comment, vous me dites ? Imagine qu'on soit les seuls, qu'il n'y ait pas de survivants. Non, il y a des survivants. C'est une grande ville. Faut voir, Preda, je sais pas encore. C'est obligé. Salut, c'est Shark, ça va et toi ? Je crois qu'on va devoir marcher. Un peu faible ? Hop, 80%. Hop là. Courir plutôt. Tu marques un point. Oh la vache ! Ah ! Léo, il faut que tu recules. Oh non ! Claire, sors d'ici. Allez, vite ! Je peux pas ! Accroche-toi ! Oh non, des manifestants! Et des gilets jaunes! Ah, ça ressemble plus aux émeutes de Dahl, ça! Loutre Gaming, merci pour ton sub! Merci de ton soutien, la loutre! T'es adorable, merci la loutre pour ton message, c'est adorable! Claire! Claire, ça va? Go jouer Claire! T'inquiète, il y a au moins deux runs prévus dessus. Forcément. Faut pas rester ici. Tu le verras, son boule, t'inquiète pas, va. On se retrouve au commissariat. Entendu. Ok. C'est l'apocalypse. Attends, je suis peut-être en train de faire une erreur. Ah, que coucou DJ, trop heureuse des 30 mois à tes côtés. Encore les félicitations. Attends, c'est pour Baby à venir, bisous. C'est par là-bas, hein. C'est ça, hein. T'as, si vous vous rappelez où il y a des balles et tout, hein, moi je prends. Hein. La ruelle. Ça doit être la ruelle, ouais. Si vous vous rappelez l'emplacement des balles, moi je prends. Merde. C'est tout le monde. Ils sont tous transformés. Oh mon Dieu, des zombies, hein. C'est des zombies. Des zombies. Ah mince, il voit pas clair, je sors. Le commissariat. Ok, allez, on y va. Des balles ? À Décathlon, il y a des balles pour du tennis, du ping-pong. Ah bah ouais, oui, tu m'étonnes, c'est Shark. Avec les ravages du fentanyl. Oh là là, quelle horreur ce truc. Quelle horreur ce truc. Attends, on va quand même fouiller s'il n'y a pas des balles qui traînent dans les parages. Tu sais, dans les univers des jeux vidéo, des fois c'est incroyable. T'ouvres un paquet de céréales, t'as des balles de 9 mm dedans, tu sais. Bah écoute, j'en ai ouvert un paquet, hein. Enfin, un paquet. Un paquet, justement, de paquet. J'ai jamais trouvé de balles, moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ok, ruban encreur. Wow, Ico, comment ça va? Bon, on va faire la lecture des textes, hein, comme d'habitude. Ils ont copié la map de DVD. Il y a forcément quelqu'un ici. Ça va, Ico? C'est pas bon, ça. David, Marvin, vous m'entendez? On a un moyen de sortir, tout est là-dedans.
Envoyez des renforts dans le couloir est. Il faut que j'aille l'aider. Je vais l'aider, monsieur. Dans le party avec de la... Il y a de l'eau, je crois. On peut pas lire. Oup, ok. Je lâche une save tout de suite. Ouais, vas-y, tu sais quoi. Vas-y, tu sais quoi, direct. On va sauvegarder tout en bas, hein. Parce que c'est les runs spéciales L-Type. Et vu la gueule de mes runs, j'ai pas forcément envie de, tu vois, charger une partie. Si je fais charger une partie, y'a quoi? Je vais faire la gueule de mes runs. Ah, ça a écrasé. Ah, nique bien ta race, ça a écrasé. Ici. Oh, c'est mignon, c'est en 2021. Pardon. Ah, si, le commissariat me dit quelque chose. Oh, c'est sûrement... Je pense que ce lieu est un des lieux les plus emblématiques de tous les jeux vidéo, le commissariat de RE2. Mais il est connu comme je sais pas quoi. Attends, je regarde s'il n'y a pas des balles qui traînent. Pas pressé de voir le bébé de RE8. Banana. Banana. Plus joli que dans DVD. Ouais, bon, c'est pas compliqué ça. C'est pas bien dur, malheureusement. Ok, là, il y a des balles. Allez, l'objectif, c'est pas de taper un 100% ou de tout looter ou de machin, mais bon, c'est d'avoir une run qui fonctionne bien, quoi. T'as un fils de tocard. Je l'ai déjà vu sur Netflix, cette série. La série de quoi? Quelle de quoi? Tellement hype de te voir sur R1. 9 balles, de quoi tuer un ou deux zombies. Pouf, et encore. Et encore. Oulala. Non. Parce que là, tu vois, je pourrais faire le dingue. Admettons, regarde, et c'est ça qui est génial d'avoir bouffé le cul de ces jeux-là. C'est que là, admettons, notre run, elle se passe mal. Et on vraiment on galère sur un truc. Hop là. Ça sort direct là, le Samurai Edge version infini. Oh, oh, alors. T'inquiète. Merde. T'inquiète même pas, va. J'utilise pas le couteau. Ah mais c'est un couteau infini. Donc là c'est un peu cheat non si je le prends maintenant non. T'en penses quoi? À moins que vous m'autorisez peut-être à prendre le couteau infini. Ah c'est pas non plus une arme qui... je sais pas quoi. Non trop cheat. C'est pas infini de base le couteau. Mais je sais plus. Je sais plus c'est dans quel Resident qu'il était infini. Je sais plus en vrai. Tu vas l'avoir bientôt comme tu veux. Bon on va laisser le jeu se dérouler t'inquiète. Dans celui-là, il casse. Major Tador, merci pour le resub. Merci beaucoup. Je me rends compte que j'aime bien être en lurk ici. Alors go devenir sub pour Frodon, pour la contrée. Alors, merci pour ton sub. En plus, déjà que tu hop que t'aimes bien cette chaîne, tu la soutiens énormément avec ce sub. Surtout en ce moment. Donc grand, grand merci à toi d'avoir fait ça. Il est câblé le Léon. Mais oh, déjà s'il veut. Salut Miss. Tu sais que t'as entendu le bruit? C'est ça le problème d'avoir une grosse bite. C'est-à-dire quand t'as une grosse bite, ça fait ce bruit-là quand tu commences à avoir la trique dans le calbut. Oui, ça grince et tout comme ça, ouais. Salut Arstig. Ça va aller. C'est le slip qui travaille. C'est les coutures qui sautent. Faut que c'est fermé ça. Ah non c'est pas fermé encore. Ah mais oui le premier couteau sur lui là non c'est pas ça. Ah non c'est des balles sur lui. J'aurais dû déposer le ruban encreur. Donc ouais, comme je disais je vais vous faire la lecture de tous les textes. Et l'avantage dans les résidences, c'est que les textes sont plutôt agréables à lire et ils sont pas trop longs, et ça, c'est bien fait.
Le prochain héros, c'est quand STP? Bah, je sais pas, moi, comment tu veux que je sache ça? Comment tu veux que je sache? Tu sais, on a les mêmes infos, hein. Si toi, tu sais pas, moi non plus. Dans l'ombre full screen pour le profiter du stream. N'hésite pas à discuter sur le chat. D'ailleurs, tout le monde, hein, même les viewers de l'ombre, n'hésitez pas à venir un peu discuter avec nous sur le chat. C'est toujours plus fun quand on est tous ensemble. Bon sang. Ok, je pourrais pas l'ouvrir. Ouais, je vais vous ouvrir rapidement. Ouais, j'ouvre cette putain de porte. Donnez votre main. Ah non, non, t'inquiète, Karat. Non, non, je sais pas, je saurais pas. Planque-toi, comment tu vas? Notre main, allez. Goûte un bout du bonhomme avant que le zombie mange tout, DJ. T'en veux un bout aussi? Ok, carnet d'un officier. Ah mais oui, c'est vrai. Ok, on a déjà la première énigme avec le lion, normalement, si je dis pas de conneries. Elle est en haut du commissariat, on pourra déjà le faire. Oh non, bâtard! Ça va, ça va. Ça va! Il m'a fait peur, ce con! Merde! Ils sont partout! Léon versus les haters. Je la sens pas, mon affaire. Oh, bah c'était pas loin. Il va peut-être me baiser la gueule. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va pouvoir se heal. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. En version hardcore, il va falloir qu'on joue comme ça l'économie, hein. Il n'y a pas trop le choix, il va falloir jouer l'économie comme ça, hein. Ah, 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 j'avoue, paresseux. BAM! Comme un bouchon de dentifrice! Pour l'instant. Merci. Marvin Brana. Léon Kennedy. Il y avait un autre officier, j'ai pas pu. Comme toujours, la pince. Oh, ça dépendra des fois, tu verras. Hey. Marvin, c'est le meilleur! Ouais, il est cool, Kara. Très très cool, Blair Witch. Tu sais que t'as fait ce que t'as pu, Léon. On sait ce qui a causé tout ça? Aucune idée. Mais franchement, tout ce que tu dois savoir, c'est que cet endroit te bouffera tout cru si tu fais pas attention. C'est nouveau à... Je devais commencer la semaine dernière, avec... mais on m'a dit de ne pas venir. Pas nouveau, depuis mars. J'aurais aimé être là plus tôt. T'es là maintenant, c'est tout ce qui compte. Lieutenant, je suis prêt. J'espère que tu trouveras un moyen de sortir d'ici. L'officier que t'as vu tout à l'heure, Elliot. Il pensait que ce passage secret ferait l'affaire. Tant mieux.
On pourra vous amener à l'hôpital. Non, non, il y a plus important que moi. Lieutenant, je peux pas vous laisser là. Ceci est un ordre, jeune homme. Tu dois d'abord sauver ta peau. J'aimerais venir avec toi, mais ça te ralentirait. Tiens. Allez, prends-le. Si je fais ça... C'est bon, arrête. Fais pas la même erreur que moi. Si tu croises d'autres de ces choses, uniforme ou pas, tu dois pas hésiter. Tu les tues, ou tu cours. Compris ? Ah. Compris. J'ai fait un premier choix. Le coup de sale ! Alors ? Bon, bah voilà. Attends, je vais peut-être me remettre... Oui, je vois. Ça, c'est ma sale gueule. Elle vous dérange ? Va falloir faire avec. Merci pour le resub, Milka. Milka, Milka. Ah oui, d'accord. Pas mal. J'ai pas tilté sur le pseudo. Ok, ça, c'est beau. Ok, c'est bien ça. C'est pas du couteau infini. Donc, ce qu'on va faire. Du coup, là, c'est le commissariat de Raccoon City. Exactement. Hop. Grâce à ça, on va pouvoir, tu vois, couper directement. Nickel. Pour ouvrir la suite de commissariat. Ça va. On peut la confondre avec les zombies. C'est ça que j'imaginais mes premiers jours. Quoi, ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ? Bah, on peut la confondre avec les zombies, apparemment. Ok, ça, on peut jeter. Enfin, on va l'acheter après. Ça, on dépose. Ça, on garde. DJ, t'as besoin de soin. T'inquiète, t'inquiète. On va juste faire un tout petit tour du commissariat très rapide, voir s'il n'y aurait pas un loot ou deux que j'aurais zappé. Garde les planches, non ? Ouais, en mode hardcore, ça peut être une idée, ouais. Ils peuvent pas les péter, les planches, je crois, hein, les zombies. Ok, c'est le lion. On va déjà récupérer le premier médaillon. Alors, lion... Lion feuille zozio. Lion feuille zozio. Lion... La feuille... Le zozio. Thank you, my friend, thank you. Je dois, des fois je me mélange entre les films et les jeux, alors que les films n'ont rien à voir ou je sais pas comment je me débrouille. Et surtout que les films sont très mauvais, vraiment. Enfin, en tout cas moi j'aime vraiment, mais alors vraiment pas les films. Ouais, vas-y, tu sais quoi, on va quand même prendre un coup de spray, histoire d'être full. Bonjour, je cherche tes balles. J'ai bien aimé les films en vrai, mais j'avoue que les jeux sont 10 000 fois mieux. Le 2 juste pour Nemesis. Attends, le... Donne-moi les balles déjà. Ok, Minotaur qui offre un petit sub à Toul. Oh putain, des merci gifs, beaucoup, c'est très gentil. Ok, plante verte. On va la stocker direct. Il y a toute une gestion d'inventaire comme ça que j'aime beaucoup moi dans Resident. Tant que j'ai pas trouvé les sacoches. Tigre du feu, comment tu vas? Sachez que ce coup de caméra vers le plafond n'est pas anodin. T'avais toi maman que tu es pas passé? Tu dis quoi? T'es passé jeudi? T'étais là jeudi, arrête! Oh. Exactement, Mr. Ghost. Exactement, exactement. C'est quoi? Vous avez mal aux gencives, officier? Tu me diras, je vais récupérer la planche. On va la mettre en bas de l'escalier, je pense. C'est vrai qu'ils ont rajouté le ray tracing. À l'époque, je sais pas s'il y était déjà, je crois pas. Hein. Je conseillerais le clou de girofle. Bah tu vois, Molisha, quand j'ai eu mon abcès.
Là, il y a 2 semaines à peu près. Ma voisine m'a filé des clous de girofle. J'ai mis un clou de girofle sur ma gencive. Bah ça m'a donné l'impression juste de faire beaucoup plus mal qu'autre chose, ce qui est pas normal. Et c'est censé apaiser. M'a fait peur ce con là. Me fais pas peur comme ça. Moi je suis jeune. Avec les trèfles. Oh, on va la mettre là, la première planche. J'aurais pu la mettre au fond parce qu'il y a un zombie qui va pop, je crois, là-bas. Ouais, j'aurais peut-être dû la mettre là. Ouais, complètement, mais la deuxième run avec Claire, on la fera en FPS si tu veux, paresseux. 25 septembre. Le commissariat est converti en abri temporaire pour faire face à la soudaine montée de violence. Tous les agents ont reçu l'ordre de veiller en priorité à la sécurité des citoyens alors que nous tentons d'accueillir un maximum sur place. Le 25 septembre, addendum, l'un des réfugiés nous a attaqué au milieu de la nuit, faisant 1 mort et 3 blessés parmi les officiers. La personne en question a rapidement été maîtrisée. Nous pensons qu'il ne s'agissait que d'une réaction au stress intense. Le 26 septembre, une foule a attaqué le commissariat faisant de nombreuses victimes. Quelques survivants sont parvenus à passer derrière les stores de sécurité, mais nous sommes cernés. Nous aurons du mal à sortir d'ici. Nous ne serons peut-être pas en mesure de rétablir les communications et sommes donc coupés du reste du monde. Le 27 septembre, une nouvelle attaque est survenue du côté ouest du commissariat vers 13h. 12 personnes sont décédées. Mais il ne reste qu'une poignée de survivants. Tous sombrent dans le chaos. David Goodenough. Ok, on a la carte. Salut, Sankukai. La run avec Claire, tu ne peux tout simplement pas la faire en FPS. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai, vous voulez tous voir son boule. Hein ? Hein que c'est vrai ? Et lui, je m'en méfie. Je sais pas s'il va... Il va me voir direct ou pas. Non, c'est bon. Ah, le bâtard. Oh si. Ah oui, c'est vrai. Ça, on s'en fout, c'est pour les poudres. Mais dis donc, c'est bon, je suis pas trop mal en termes de balles, là. Ça fait du bien de jouer à un jeu où il n'y a pas une image par seconde qui saute. Alors, rapport d'opération, 28 septembre, 2h30 du matin. On n'est plus que 4 ici, pas d'armes, pas de munitions. Et les affrontements nous ont épuisés mentalement et physiquement. Alors, il faut savoir que là, le zombie actuellement, il est juste à ma gauche, il attend. Et il est posé sur mon épaule comme ça en mode... Bon frérot, tu peux lire plus vite, s'il te plaît. Parce que moi, je suis censé jouer mon rôle là, en fait. Les affrontements nous ont épuisés mentalement et physiquement. On ne s'en sortira pas. L'officier Phillips, comme les lampes, a suggéré une fuite par les égouts. Apparemment, il y a un tunnel secret qui date de l'époque où cet endroit était un musée. J'avais rejeté son idée, mais maintenant, elle ne me paraît plus si mauvaise. Rien ne prouve que ce tunnel existe ou que les égouts ne sont pas infestés de zombies. Mais je ne veux pas attendre la mort ici. C'est risqué, mais je vais essayer de trouver des infos sur ce tunnel. Elliot Edward. Première mission. Ah oui, c'est vrai. C'est une histoire de nom. Je sais plus c'est... Je me rappelle plus c'est quoi le code. Je sais qu'il est, simple à trouver. Hein. C'est qu'une histoire de nom sur les bureaux. Ah ouais, je me disais, il est où le zombie là? Bah il est là, il est toujours là. Pédez, merci pour le sub. Qui régale. Ouais, je vais être obligé de tirer. Ah oh, fuck. Oh là là, commencez à avoir du monde là.
Ah putain, mais j'ai plus de coutal du coup. Hey, mec, y'a moi qui offre le sabab war machine. Merci beaucoup. Ok. On a récupéré le coutal. Alors, il faut savoir dans ce jeu, il y a une technique. Quand tu sais pas s'ils sont morts, tu prends ton couteau et tu mets des coups de couteau. Lui, il est pas mort, par exemple. Ok, cette fois, il l'est. What? Ok, bon bah lui, il est pas mort, évidemment. Bon, on utilise des balles, mais ah, mais les gars, qu'on soit bien d'accord, hein. Dans ce Resident, le zombie, il se one-shot pas du tout. Et si tu arrives à one-shot un zombie, c'est juste que t'as eu de la chance, appelle ta femme, quoi. T'es encore réveillé. Putain, il était pas encore mort. Putain, il était même pas... C'est lui qui est pas mort, sérieux, là? Allez, meurs, c'est bon, là. Oh là là, ils ont la tête tellement amochée quand tu leur mets des balles dans... Dans le buffet comme ça, non-stop. Ils ont tellement la gueule éclatée, quoi. Salut, Psyche. I'm a psycho, stupid delirium. Dans quel Resident il se one-shot? Avec le fusil à pompe dans les anciens. Bon, là, attends, du coup. Les lettres. Ok, D. Il y en a un par terre, je crois. Un truc comme ça. C'est un E en deux. Merci pour le sub. Et ceci. Et alors, comment ils vont, ceux-ci? Pas d'F. C'est MEF. C'est LEF. C'est KEF. C'est PEF. C'est OF. C'est NEF. Nique ta mère! Alors, c'est pas ça. C'est le D, alors. Attends. Voilà, merci. Et de l'autre côté. C'est B. BP. BP quelque chose. Non, quoi que. Ah non, t'as raison, héberger, c'est ça. t'as raison, c'est bon, c'est bon. Flamme Doudou, comment ça va? Ok, chargeur étendu. Voilà, Mathilda! Si c'était faux, c'était sa faute. Ah putain, la clé pique. Wouh, la clé pique. Wouh, la clé pique. Coucou, c'est moi Jean-Mi, la folle du régiment. En porte-chartel kaki et en trimoulant. J'adore qu'on me prenne d'assaut, par derrière, par devant. Mais le plus beau drapeau que j'ai tenu depuis longtemps, c'est l'habitat d'udule en forme de point-virgule. Qui bourre et qui encule, sans autre préambule. L'habitat d'udule, un secret beau bambou. Voilà, c'est celle-là de fenêtre que je voulais protéger. Voilà, c'est leur bas d'escalier, je disais. Hop, la salle de sauvegarde avec la musique qui rassure. Pas de musique? Y'a pas censé y avoir une musique là-dedans. Voilà, nickel. Alors, le texte. Ça va, ça avance. Comment DJ te... Gâche l'immersion horrifique avec ses chansons paillardes. Mais c'est pas une immersion horrifique. Je l'ai, en plus je l'ai dit tout à l'heure, arrête un peu, je l'ai dit tout à l'heure. Qu'on allait le faire en mode jeu normal et pas en mode jeu horreur. L'homme utilise des plantes pour... Oh vas-y c'est bon, c'est pour les plantes, une explication, on s'en fout. Ok. On dépose ça. On va garder le coutal. On va lâcher une petite save. Mais d'abord, allumer la lumière. Oh là là, la lumière fut. Ah la musique. Mince. Ah oui, c'est vrai, les photos, tu peux les développer ici. Tu vas trouver des photos qui vont t'indiquer des choses, en fait. Oui, on sait, on connaît. Merci. Hop. Ça joue un peu vite. C'est normal, ça connaît.
Hello Scorpio. Hop, on dépose tout et on y va. Ici c'est les pro-héros. En pro je sais pas mais on se débrouille quoi, on se débrouille. Merci à tout le monde d'être présent sur le live d'ailleurs, ça fait plaisir de vous voir. Attends, je me rappelle plus le code de lui. Ça va me revenir. T'es mort toi? Yeah, you're dead, motherfucker! J'adore looter des balles comme ça d'un autre fusil que j'ai pas encore. Ça, c'est très cool aussi. Alors, appuie sur les touches. Oui, ça. Alors, attends, je me rappelle plus exactement comment ça fonctionne, mais on va retrouver. C'est lui, hein. Ben oui, c'est lui. Non. Oh yeah. Allez, on a une première touche du clavier. Alors, petite question. Vous avez compris le truc? On est d'accord, vous avez compris comment ça fonctionnait ça, hein? Oui, facile, oui, c'est ça. Faut juste réussir à trouver le bouton qui permet d'allumer la lumière d'un côté. C'est juste ultra simple. T'appuies sur une lumière, t'as une lumière qui s'allume. Le but, c'est de trouver la lumière à côté, en fait. Donc après, faut tester. T'es obligé de tester. Oh non, c'est pas le bon. Allez, hop, tu recommences. Ah, j'ai trouvé la suite, ok. Après le troisième, puis le quatrième, tu vois. Les énigmes rendent DJ énervé. Mmh. C'est très très simple, vraiment. Dans l'original, fallait avoir Bac plus 5. Ouais, tu m'étonnes. Ah, attends. BFM. Non. Putain, je suis sûr que je pourrais le retrouver en vrai de tête. Vas-y, envoie le code, Crazy Joe, ouais. Dans tous les cas... Envoie le code, Putain, on les connaissait de tête, en plus, quand on le faisait, le jeu. C-A-M, c'était ? Non. C-A-P. Merci. Donc ça, on peut se permettre, hein, ce genre de coup de main. Puisque le jeu, on l'a déjà fait et tout, tu vois. Donc on n'a pas la valve. Là, nickel. Oh non, le bâtard. Oh, DJ triche. Il y a des balles normalement sur le truc là. Voilà, voilà. Hop, un pibil. Ok, et celui-là... Je crois que c'est DC quelque chose, hein. Je t'ai dit ou pas? Oh les balles de Magnum. Et la clé pique mon pote. C'est une run normale ou bis? C'est une run hardcore surtout. Ah ouais, tu veux dire ouais non, première run, run A. En difficulté hardcore. C'était quoi ça? Merci Xofet pour ton follow, bienvenue. Merci pour ton 10e mois de sub, tu régales.
Va falloir que je me heal quand même à l'occasion. Oh! Non mais Karadoc, doucement! Considérez ceci comme un cadeau destiné à ceux qui ont la malchance d'être en vie. Oh bah. Restez à l'affût de ces atrocités qui ont l'air d'avoir été écorchées vives. Les Lickers, ils sont complètement aveugles, mais ils comprennent grâce à leur ouïe très développée. Tant que vous ne courez pas partout comme un abruti en tirant sur tout ce qui bouge, vous devriez vous en sortir. Avec un peu de chance. Quoi qu'il en soit, avancez aussi lentement que ma grand-mère quand vous passez à côté d'eux. Bon, c'est pas que j'ai envie d'y aller, mais le devoir m'appelle. Et puis, j'ai un copain à venger. David, le copain de Schwarzkopf. Le copain ici, j'ai un Louis David. DJ, soigne-toi. Bah, j'ai pas mal. Là, il me faut un heal justement pour mail. Donc, si je pouvais trouver une plante verte là tout de suite maintenant, ça m'arrangerait beaucoup. Je m'en rappelais, mais je m'en rappelais pas à la fois. Attends. Léon, c'est Marvin. Il faut que tu reviennes immédiatement. Tout va bien, Marvin? Je veux te montrer quelque chose. Fumer un gros bédo pour se soigner. Compris, j'arrive tout de suite. Je vous rappelle que dans R7, pour se soigner, tu te verses une bouteille d'eau sur le bras. Non mais je veux dire, oh mon dieu, me suis fait amputer ma jambe droite. C'est pas grave, verse cette bouteille de cristalline sur ton poignet. Ah ouais, ma jambe elle a repoussé. Ah, ah non, wow. Ouais, c'est la merde. Ouais, c'est la merde. Ok, cheval. Cheval, hein. Ok. Ok, poisson scorpion. Picole. Poisson. Ah mais non, je pourrais pas. Oh putain, je fais l'énigme d'avance. Picole. Mais je pourrais pas le looter, c'est rien. Non. Ok, ça va Eric Sega, merci pour ton 25ème mois et c'est encore un tiers 2, merci d'être là. Merci du... Ah bon, pourquoi il est remonté ce con? Je ne t'ai pas demandé de remonter en fait. Ah mais d'accord, en fait faut rien toucher. Merde. Allez, béton putain. Casse les bonbons. Il me casse les bombes. Bordel. Ok, j'ai pas encore le cric. C'est un sketch, elle. Non, mais lui. Lui, on l'appelle l'increvable dans le milieu des zombies, je te jure. Ah, mais il a une réputation dans le milieu de la zombiterie, lui, hein. Yo Foxudo, bon dimanche à toi également, merci, c'est gentil. Il doit y avoir des balles qui traînent derrière, je crois, l'un d'entre eux. On parlait d'idée, tu peux récupérer le médaillon maintenant. Bah non, j'ai pas de place, regarde. Ah ouais, si j'avais pas eu de balles, tu me diras oui. Si j'avais pas récupéré des balles, ouais. Non mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je fais gaffe parce que... Jette les balles. Non. Alors là, non. Non, monsieur.
Là, je suis pas d'accord, monsieur. Y'a rien qui traîne, ok. Le jeu tourne méga bien. Oh, le Call Wide est très léger en plus sur le PC là. Ah oh ouais, mais tu vois, le problème c'est ça, c'est que j'ai des objets de quête de partout là. Ce zombie il avait un réflexe du bras. Tu lui coupes une couille, il a le bras qui monte. Ah bon hein. Lui là je le sens pas. Oh. Ok. Ok. Elle s'est mise en PLS. Ouais t'as vu. Genre bah ouais attendez je respecte pas les consignes de sécurité là. Ah putain, Marvin, mais je crois qu'il est mort déjà, Marvin, non? Il va pas être zombifié là? Pas encore, pas encore. Coucou là, Clément, comment ça va? Te voilà. Approche. Regarde. Il a pas mis son masque FFP2, c'est ça? C'est elle. Elle s'en est sortie. Oh, tu la connais? Ouais, elle s'appelle Claire. On est arrivés ici ensemble. Tu peux accéder à cette cour? Via l'étage supérieur, côté est. Ça va, là, que je te remercie. Merci, lieutenant. Marvin dit Zossos. Ah ouais, complet. Ça me fait triper, ça me rappelle les mecs sur Twitter, des fois. T'as jamais vu, des fois, sur Twitter, quand t'as des dramas qui arrivent comme ça, et pour dire t'es dans la sauce, t'as des mecs... Il met juste un mec qui touille une sauce avec sa cuillère, comme ça, en réponse. Ça me casse en deux à chaque fois. J'aime ce qui... Ah ouais, non, il me fait délirer. Alors attends, ça pour l'instant, on dépose. Ça, on dépose pareil. On va aller chercher du... On va aller chercher des trucs. Attends, là, ce qu'on va faire. Hop, nickel. Ensuite... Non, pas ça. Utiliser. Merci. Ensuite, la pièce de rechange. On va la prendre. On va quand même la prendre. Ok. Pourquoi j'ai fait cette voix? J'en ai aucune idée! Alors, là, les mecs qui me regardent mes L-Tape et qui connaissent que l'ambiance horreur du soir, là, ils se rendent peut-être compte que DJ Boucherie, il craque un peu dans la journée, votre gars, là. Ouais. DJ, j'ai les tétons qui pointent. Oh ouais, vas-y. Lâche un bout, putain. Choqué, déçu. Qu'est-ce qu'il a fait, Sec? Il a encore fait des bêtises, le Sec. Qu'est-ce qu'il a fait? Genre pas de balles qui se respawn. Merci pour le sub. Oh yeah. Wouah. Qui envoie le 56ème. Salut Nawai. Fier d'être bouché. Je suis beaucoup trop fan, putain. Fier d'être bouché. Qu'est-ce qu'il m'a fait le bot encore là? Ouais bah je rappelle dans Hero 4 quand t'entends ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a un trésor à looter. Ok, y a rien d'autre ici. Qu'est-ce que je voulais récupérer? Je voulais récupérer le couteau qui était là. Voilà, et je voulais récupérer le médaillon. Il était pas mort. L'enfoiré n'était pas mort. You lucky bitch! Faut que je revienne. Ce son dans Pity. Exactement. Mais c'est le même son qu'on a aussi, plus ou moins. Pas exactement, mais
On a plus ou moins le même son dans, dans RE4 Remake aussi, avec les trésors qui sont suspendus. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Le médaillon non plus. On a déjà deux. Encore que tu me diras, attends. Si, bien sûr que si. Les deux médaillons, on peut déjà les mettre. Ça va, monsieur Warg? Comment tu fais plaisir, mec? I smell good, mais je smell good parce que tu. Parce que you hear! You hear! Hop, donc comme ça on libère. On dirait, le passage est encore fermé. Me mets une balle dans la tête, Marvin? Non, parce que t'as peut-être des balles à me donner, à looter? Enfin, voilà quoi! Ok, mal au crâne, mais ça va et vous? Bah écoute, ça va. Ça va, ça va. Ok, on peut pas repasser là-dessous pour l'instant, ça sert à rien, je crois. Nope. Attendez, hein, juste que je me rappelle le cheminement. Ok, on va pouvoir l'utiliser. Et c'est peut-être la dernière fois qu'on peut l'utiliser là, non? Ah non, il y a encore des portes qu'on peut utiliser avec ça. La touche de clavier, on va essayer de la mettre. Faut que j'aille à l'étage. Hop. Et là, on va débloquer des trucs. Ok. Plutôt le 2 ou plutôt le 3, le chat, on met? Qu'est-ce qu'on met comme touche? Plutôt le 2 ou plutôt le 3? Faut savoir que ça va permettre d'ouvrir une rangée et pas une autre. Rassurez-vous, on va trouver la deuxième touche plus tard. Mais pour l'instant, qu'est-ce qui est plus intéressant pour vous? Dans la colonne des 2 ou dans la colonne des 3, les loots? C'est les loots qui sont à l'intérieur qui nous intéressent. Ah, plus le 2? Allez, quand même beaucoup plus de gens qui votent 2. Allez, on part sur le 2. J'y trouve pas. Merde. 204. Ah non, putain, je suis con. Ah, c'est colonne des 1 et colonne des 2. Alors attends, c'est 200. 202, 201. Alors, 202 est déjà ouvert, donc 203. Ah putain. Oh merde, on aurait dû regarder avant. 204. Donc il nous faut le 208 avec des balles de fusil dedans. Dommage, pour le coup de la sacoche. 203, quoi qu'il arrive, faut les deux touches. Ah bah oui, je suis con, bah oui. Exact. Et on n'a pas encore la carte pour ouvrir ça et avoir le... Oh, le beau. Le fusil des peupons, ok. 100, alors 109, 106. 109, 106, 102. Voilà, nickel. Oh putain, des gifts! Non, vas-y, on s'en fout de ça. Viens, on s'en fout du cliché. Viens, on le prend pas, le chat. On s'en fout, non? Ok, ça c'est bon. Ok, 103, je pourrais pas l'ouvrir de façon le coutal. Bon, c'est tout? That is good! Alors, il semble que certaines touches manquent sur le terminal des casiers. Je conseille aux responsables de trouver les touches de rechange et d'arranger sa fissa. Tu sais de qui je parle, enfoiré, hein? Qui d'autre aurait pu déglinguer ça? Moi. Merci, Minotaur, qui offre le sabbat brutal. Avant, on a brutal, c'était quelqu'un qu'on voyait tous les jours, ça. 3 de devoir R9 sur le nouveau moteur de Dragon's Dogma, n'empêche. Dans le moteur Dragon's Dogma? Mais attends, il change vraiment de moteur ou... Et ça s'est fermé. Là-bas, y'a rien. Ok, on retourne là.
Ramène-toi, ramène-toi, ramène-toi. Comment, motherfucker? Ah, moi, il me semble quand même que c'est le moteur propre à Resident, c'est le Resident Engine, ça. Et il est très bon, le moteur de Resident. Regarde comme il tourne bien, comme il est beau et tout. C'est une nouvelle version du Aero Engine, de ce que j'ai compris. Ok. Mais qui a des performances bien, bien claquées au sol, de ce que j'ai compris aussi, moi, non? Enfin, je sais pas, Dragon's Dogma, j'ai vu des gens vachement se plaindre, hein, quand même, sur ça. Hello, petit ours! We got the plant up, ba 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 ba. Je me rappelle plus des codes. Je sais plus. Là, clairement, je les ai plus en tête. Ah ouais? Ok, c'est bon. Allez, une clé en moins. Vas-y, attends, on va essayer 9-15-7. Bon, je crois que c'est l'autre. Ah ouais? Attends, on va essayer. Dommage. Ma parole, je descends. Je vais le faire. Mec, tu m'offres une ouverture de coffre, moi j'y vais. Ah ouais, je réfléchis pas. Ça va, nickel? Et toi, petit ours? Le loot! On va devoir buter le zombie, je pense. D'ailleurs, je sais pas où il est. Il est dans la pièce? Ah, il est dans la pièce, ce bâtard. On peut pas les poignarder, les zombies, hein. Non, ça pue, hein. Non, on est d'accord, elle pue mon affaire là. Putain de merde. Au sol. M'a fait peur ce con. Ouais, MDR, l'acteur, ouais. Yeah, bien vu. Et je crois que c'est une sacoche. Oui. Let's fucking go. Deux places d'inventaire en plus, ça se prend. Il tardisse. Merci pour le sub. Et merci pour le 21ème boîte sub. Yo, 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 la boucherie et DJ. Et hey. Oh my friend, how are you? A check, DJ. De quoi? Qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Je déglingue mon kebab, tu le manges, le Hulk. Ton kebab, il est en train de le confondre avec un boule. 6 de 11, potentiellement le code. Vas-y, moi je prends. Moi je prends, encore une fois, les gens ils vont dire, ah mais c'est du spoil. Les gars, on l'a déjà fait 10 fois le jeu. On va clairement pas se priver. Eh, ça. Attends, désolé, je fais des allers-retours à droite à gauche, mais c'est vraiment pour... C'est pour vraiment maximiser mes chances d'avancer dans le jeu, en fait. Donc là, je récupère les loot que je pouvais pas récupérer. Ned, MRG, le bureau des agents, DJ... C'est déjà fait. C'est déjà fait, crazy. DJ, et pour la VOD, tu fais semblant que tu te souviens de tout. Ouais, non, t'inquiète, sachant que je fais aucun montage dedans. Donc là, tout ce que je suis en train de dire, ils vont l'entendre. Voilà. Ouais, c'est bon, je me souviens de tout, hein. C'était quoi, déjà? 10 de 11. Hé hé! Oh, c'est pourquoi déjà ça? C'est pour Mathilda. Let's go! Allez, nickel. Un héros sans aller-retour n'est pas un vrai héros. On est complètement d'accord. Alors là, pour le coup...
Attends, je réfléchis, la bibliothèque là-bas. T'as une sacrée mémoire, hé. J'ai pas besoin de vous, moi. Ok. Est-ce qu'il y avait des petites choses à looter? Je crois qu'il y avait des munitions à récupérer là. Enfin, pas des munitions, mais je me comprends. Et viens par là. Commande par ici! Allez. Mais tu te fais de ma gueule là? Bon, vas-y, c'est pas grave, on y va. La porte elle est juste bloquée comme ça. Commande les zombies, viens! Je te la mets. Tu lui mets quoi? Plein de trucs. DJ, ta cam se trouve directement sur l'inventaire. Attends, fais voir. Ah ouais, exact, ouais. Attends, je vais la décaler. Genre si je la mets là, c'est ok? Ça où va? Non, on me dira, ah, mais c'est sur les balles. Ah non, c'est bon. Radico, comment tu vas? Oh oui, du RE2, yes! Non, maintenant je vois plus en bas. Oui. Ok. Bon. On a récupéré pas mal de choses. Qu'est-ce que je peux récupérer de plus que j'ai pas pris? Rien. Bon, on va lâcher une petite save, je pense. Je pense qu'on va mettre une petite sauvegarde histoire d'être tranquille là. Merde. Si tu tends ton doigt, tu peux toucher le cucu de Léon. Ouais. Mais moi, si toi tu tends ton doigt, je tire, il faut que tu fasses un prout. Si tu le fais pas, je suis déçu. Allez, cette fois on repart à l'étage. Il y a une sacoche dans la pièce à l'étage de la bibliothèque. Une sacoche dans la pièce à l'étage. Ah ouais? Donc, ça tombe bien, on est à côté. À l'étage, tu dis? J'ai pas le souvenir de cette sacoche là. Ah, peut-être dans cette porte? Remarque. Bah attends, en fait. Attends. Ah bah en fait, dans tous les cas, j'allais la trouver parce que c'est là que j'allais. Si c'est cette pièce là en question, c'est là-bas que je me dirigeais. Ça doit être ça. Ah oui, le livre, je l'ai... Ouais, mais après, dans tous les cas, Iceman. C'est pour mettre le joyau sur le sceptre, de souvenir. Griffonnage de quelqu'un. Que ces enfoirés en costard aillent au diable. Ils se sont débarrassés de moi, après tout ce que j'ai fait pour eux. Puisque c'est comme ça, je vais m'amuser un peu avant la fin du monde. J'ai enfermé tous ces sales poulets en cage et posé un pain de C4. J'ai plus qu'à le faire sauter. Et adios, les tocards. Mais c'est pas marrant si c'est trop rapide, alors je donnerais peut-être à cet arrêt de quoi quidder. Ouais. Je lui donnerai peut-être un jouet et je lui dirai « Tue ce mec et j'épargnerai les autres. » Je me demande bien ce qu'il fera. Tu parles de justice et de fierté, mais combien de fois tu t'es opposé à moi, ton supérieur? Ouais, t'es un flic parfait, si parfait que tu devrais mourir. Que tu devais mourir, pardon. C'est marrant. Il me faut de la musique. Oh, on dirait moi. Quand t'as des trucs qui m'énervent, moi il me faut de la musique. Ah oui, ça va, le C4, on peut pas l'utiliser encore. On l'a pas, surtout. La sacoche est là, mais pas hardcore. Ah, c'est sûr que les loots ils changent hardcore. T'as pas confondu avec un autre RE peut-être? Il me semble qu'on repasse par là dans le 3.
Oh là 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 là. Ok, j'ai rien d'autre ici. Je refais un tour pour voir. Ah putain, il y a le zombie qui est là. Merde, ouais. M'arrange pas lui. Non, je connais par cœur, pour le coup, c'est dans le mode normal. Ok, ok, ok. Bon, dans tous les cas, il faut le timer et la pile et tout, alors putain. Je me rappelle plus bien, détails et tout, mais on va trouver. Bon bah je pense que là en fait t'as raison, va falloir que j'aille analyser le joyau et tout. Et le bouquin. Je crois que c'est un joyau hein, c'est ça. Y'a pas de porte là. Nope. Moins de 5 minutes pour le manger. Il a mangé son kebab en moins de 5 minutes. Ah ouais non, je confirme, c'est plus bouffé, c'est sexuel là. Ah non, c'est du sexe là ce qu'il a fait avec. Ok, pour l'instant je dépose ça. Le livre, on le prend, on l'examine. Bien. Examiner, j'ai dit. Développion. Non ? Attends, t'es sûr qu'il faut les... l'examiner ? Non, pour moi le bouquin faut le mettre juste dans un... dans les mains d'un mec. Non ? Faut pas l'examiner, attends, j'ai pas le souvenir de l'examination... On peut pas lui parler. Sur la statue, oui, oui, c'est ça, c'est ça. Ah, ça me gratte la fesse. Ah, je me gratte la fesse. Moins de 5 minutes, c'est du sexe, je suis choqué, c'est long 5 minutes. Ça dépend le degré de bourrinage, hein, si tu veux mon avis. Salut, Draiki. Draiki, je t'ai appelé, hein, quand même, hein. Je suis pas sûr de moi, là. Draika, Drik, comme Cédric. Aïe, aïe, ouais, non, j'ai fait de la merde, hein. Désolé, désolé, désolé. Caradoc. Drik, c'est bien, ok. Ok, on va voir la carte. Le rubis qui captiva le prince Édouard de Woodstock, la perle que but la reine du Nil, le diamant qui mena une reine à la guillotine, les histoires liées à l'attrait exercé par les pierres précieuses sont légion. Cette mystérieuse pierre rouge n'est que la dernière d'une longue série. Comme les autres pierres, l'origine de celle-ci est inconnue. On dit qu'elle orna jadis la boîte à bijoux. On dit qu'elle orna des flûtes attribuées à un roi sage. Cet automne, cette pierre auréolée au mystère sera exposée à l'occasion des enchères. C'est absolument pas une incantation, du tout. De nombreux passionnés devraient s'y bousculer. Mais, chers lecteurs, faites preuve de prudence, car le mal est tapi dans l'ombre de la beauté. Cette pierre a transformé de nobles soucieux de leurs sujets en despotes plus terribles que Caligula. Et nos histoires le prouvent. C'est le sang versé par ces joyaux qui le rend si brillant et corrompt le cœur de leurs propriétaires. Salut RGK. Au début de ce compte, pour tester, voir si ça me plaisait la plateforme, je l'avais fait. J'ai fait un mot de passe à l'arrache, et depuis, je ne l'avais pas modifié, j'ai mis ça. C'est vraiment pour le début, sauf que j'ai oublié. Et pourquoi tu lui donnes ton mot de passe devant tout le monde là, je comprends pas. Je suis pas sûr du move là, monsieur RGK. Didier, tu veux être mon kebab? Mais bouffe-moi le cul direct en fait. Ah, et le compte n'existe plus, ok. Merci pour le sub. Ardem. Et ça, tu dois l'examiner. Hello la boucherie, hello boubouche. Un mois de plus de passer ici, profitant de ta bonne humeur qui aide beaucoup par moment.
Bisous sur le pétou. Miaou, 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 miaou. Miaou, miaou, miaou. Merci beaucoup, c'est adorable, Ardem. C'est adorable comme message, franchement. Merci beaucoup. Et merci pour le resub, putain. Tu sais qu'on a approché les 1200 subs, là, hein, avec les quelques subs offerts de tout à l'heure et toi. En vrai, pas mal, hein. Pas mal, pas mal. Porte verte. Oh mon dieu! Oh mon dieu! This guy is burning! Non, je peux pas le viser le flic. Je peux viser au-dessus. Mais dès que je mets le pointeur dessus, hop, ça dévise. Oui, dévise! Là, je vise. Là, je dévise. Tu vois? Disais comme IA, je me suis fait bannir pour spam. Ah, tu t'es fait niquer le compte par des bots. Hey Léon! Claire! Bouge pas, j'arrive tout de suite! Claire, je suis content de te voir. Comment tu vas? Cet hélicoptère est sorti de nulle part. J'ai rien de cassé. Évidemment, aucune de ces poches contient la clé, je me trompe? Malheureusement, non. Toi, comment tu t'en sors? C'est le costume que moi j'ai mis, Loïc. C'est-à-dire que je survis. C'est ça, Dark. Des nouvelles de ton frère? Joue Claire. Non, pas encore. Claire, garde espoir. On finira par leur tour. Ah, tu veux que je joue... Tu veux que je joue plus clair? Merde. Attends. Plus clair, ça... Tu sais ce que ça veut dire. On peut faire ça? Ouais. Voilà, là je joue clair. C'est l'heure du dîner. Là je joue foncé. Non, mais j'arrête les vannes, en fait. J'arrête l'humour. Au revoir. Claire, reste pas ici. T'en fais pas pour moi, Léon. Fais attention à toi. Au revoir. Claire, va-t'en là. Allez. Hey, on va s'en sortir. Tous les deux. Il me fatigue. Ah ouais, mais je me fatigue tout seul. Pour le sub. Merci beaucoup, Alexandre Vance. Ça chauffe par ici. Oh, il chauffe les zombies. Arvin, vous me recevez? Arvin. Merde. Merde. Alors, hein, on les met plus ces petits doigts là. Oh! Wow, 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 wow. Attends. Ok, on va pouvoir faire péter de la chaîne. Ok, les zombies sont barrés. Comment je vois que dalle? Je sais pas vous, moi j'y vois rien du tout là. Oh, les flashbangs! The flash fucking bang! Tu sais, un zombie s'est teubé, tu vois. D'ailleurs, il pourrait aller taper la fenêtre juste à côté. Mais non, il préfère taper celle-là. Oh, je pense que je vais devoir tirer un peu. Ah merde! J'ai pas vu ça! Merci pour le coup d'âle! Oh merde! C'était pas prévu ça! Wah 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 wah! Bon, c'est pas grave, vas-y, je tire un peu! Je suis teubé! Y'a un truc qui pique ma tête, mais il reste quand même là! J'aime bien quand ça pique ma tête. Auto-flashback, ouais, j'ai été trop vite dans les moves. Je sais pas comment je me suis démerdé, mais j'ai été trop vite.
Nob DJ, au fait... Ah non, Nob DJ a fait une bêtise. Quoi? Non, c'est pas vrai, regarde. Sa tête explosée, là, elle est jolie comme ça, non? C'est bon, you're dead. Ok, ça, on va pouvoir débloquer. Tu m'as viré... Ah oui, tout à l'heure, je t'ai viré le mono, c'est vrai, c'est vrai. Y'a River qui a perdu le sien. Y'a toi. Y'a... Y'avait Eldred, vous étiez trois à l'avoir perdu. Alors, faut savoir que c'est pas pour rien, hein. C'est que j'ai voulu vous mettre VIP à la base, c'est parce que je voulais être sympa, moi. Merci pour le sub. Et après, ils m'ont dit, non, j'en démarre, tu sois sympa, DJ. La voix, c'est flippant un petit peu ça. 9 mois, je suis un bon gros bébé. Des bisous professeur Voodoo, merci beaucoup pour cette voix flippante. Merci pour cette voix qui fait si peur. Y a rien d'autre, pas de nouveau loot. Nope. Bye. Bye bro, bye. Vous remarquerez les impacts de balles avec la lumière qui passe à travers, regardez. Regardez. Je sais pas si vous voyez les impacts de balles dans la porte là, c'est stylé. Y'a pas des dogos à un moment dans celui-là, je sais plus s'ils y sont. Ils y sont dans ceux-là après là, ouais. Dans le 3 oui, mais dans le 2 je sais plus. Mais du coup oui, on dit que oui, donc oui. En fait, tu comptes faire la dernière match de Grand Dead? En fait, Grand Dead est un jeu que je prévois de refaire autant que les Residents et tout. Bien sûr. Ok, je sais ce que j'y vais faire. Bon, faut juste faire gaffe parce que je crois que les liqueurs, s'ils commencent à arriver à partir de là. Y'a même un crocodile. Ah mais ouais, c'est dans celui-là le crocodile. En multi, Grand Dead. Ça pourrait être faisable. En fait, moi, le seul truc qui me fait peur avec le multi, c'est que vous allez vite des fois, les gens. Vous allez trop vite. Et du coup... On n'arrive pas à apprécier le jeu comme on le voudrait parce que vous allez trop vite, tu vois. C'est pour ça que je joue très souvent en solo. Surtout dans les jeux où les progressions sont partagées comme ça. Alors attends, j'ai le joyau, j'ai la valve, j'ai le coupe-coupe. Ok. Les pipettes et les porte-bisous, ben ouais. Gardeau qui va très vite, moins de 5 minutes. On parle bien de jeux vidéo là. On va aller de l'autre côté. Il faut que je commence à défaire mon pantalon, les liqueurs sont bientôt là. Avec leur grande langue. C'est moi ou t'as une idée derrière la tête? Ou plutôt dans le calbut? Jean-Michel en flamme, ouais c'est ça. T'as Jean-Michel en forme, puis t'as Jean-Michel en flamme. Attends, laisse-moi réfléchir. Grand Dead, j'ai passé facile 2 semaines non-stop. Sans actuellement finir le jeu, sachant que quand je joue, c'est pas 2 heures par jour, c'est plutôt 8. Oh non, j'ai pas si bibliothèque. T'inquiète pas, chérie, j'ai tué tous les méchants. Tous les mangeurs de mollets, ils sont tous morts. Pas ici, par contre. Saloperie. Ok. Il gaspille des balles. Non, une seule. Une seule balle. T'es jaloux. Oh là là, comment j'aurais honte. La reprise du boulot va être dure, je crois. C'est vrai, mon cœur. Pourquoi tu sens que ça va pas le faire, les nausées?
Lui, il va tomber. Mais il est pas forcément vivant. Mais il est peut-être vivant. Je me rappelle plus, en gros. Mais je sais qu'il va tomber. Attention, il est tombé. Maintenant, tu sors le koutal et tu vérifies s'il est vivant. Test numéro 2. Test numéro 3. Test subsidiaire. Il a pas aimé. Je crois que ça lui a fait mal. T'as vu, j'ai utilisé le mot subsidiaire. Tu ne sais pas ce que ça veut dire ? Y'a pas de problème. Moi non plus. Il sert à quoi déjà le joyau ? Alors là, je sais plus, bon, on va vite le savoir. Je sais plus exactement où on doit le mettre. C'est celui qu'on voulait pas. DJ utilisait un mot savant. Non, c'est un mot de la langue française. C'est tout. Oh, mais je reconnais ce passage. Salut Tantego. Clairement pas ici, de toute façon je pourrais rien faire de plus là. On the vacation account. Oh my god. Je viens de me chier dessus. Physiquement ou psychologiquement. Bon, physiquement ça m'intéresse. Psychologiquement, il n'y a pas d'odeur, pas de matière. Bon, un petit peu les deux. Oh my god, flashbang. Ah bah là du coup je pourrais pas looter le heal. Va falloir que... Ouais parce qu'il y a un heal ici normalement. Oh non. Oh c'est bon, je commence déjà à avoir quelques balles de fusil à pompe là. Là je pourrais pas récupérer l'objet je crois aussi. Voilà. Ah si j'ai pu. Oh yeah boy. Non, quête prioritaire, Kara. Vivement le pompe, on va aller le chercher là. J'ai la carte pour aller le récupérer. Ripley, bah non, on va le récupérer après. Note interne, 22 septembre 1998. Avis de transfert de matériel. Code, coffre à 3 chiffres. Ah bah c'est là où il y a le code. Vas-y, on s'en bat les couilles. On l'a déjà fait. Ne pas sprinter, surtout pas sprinter là par contre. Pub dans 2 minutes 35. Attendez, il y a une pub qui arrive. Attendez, s'il y a une pub qui arrive, on va en profiter pour boire un coup de... Tout ce qu'il faut quoi. Attendez. Non mais j'ai pas le timer là sur la pub. J'ai chié un peu. Il m'a fait peur avec son cerveau là. La digue du cul en revenant de Nantes. Digue du cul en revenant de Nantes. Wow, la 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 la. D'ailleurs tiens, j'en profite pour repréciser un truc les copains. Flash DJ, non t'inquiète, on va passer. Non t'inquiète, on va le faire. Ouais donc je disais petite précision par rapport aux publicités. J'ai déjà fait machine arrière sur certains trucs hein. J'ai réduit les pubs. Avant c'était 5 minutes, j'ai réduit à 3. C'est le minimum 3, j'ai mis le minimum de pubs. Je répète, 2 à 3 fois dans l'année maximum. Donc il n'y a que 2 ou 3 mois dans l'année où il y aura ce système de pub. Tous les autres mois il n'y aura pas. Mais voilà, pensez à soutenir la chaîne aussi si vous le pouvez. C'est important parce que sinon en gros je me mets juste dans la merde pour vous quoi. Sinon. Donc c'est un peu comment dire, je vous donne le meilleur de moi-même. Et si mon travail vous plaît et mérite pour vous, eh ben n'hésitez pas à le soutenir en gros. Attends hein. C'est une pub de 1 minute. Il va se calmer là, Jean-Michel, que je cours vite avec mes grosses pattes. Attends, hein. Attends, pas... Ah non, elle a peut-être pas démarré la pub encore. Dans 1 minute, elle démarre.
Pour les pubs, tu peux choisir le type de pub, car je sais que chez Terracid, par exemple, il a des pubs qui apparaissent sur le côté sans gêner le stream. Non, 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 c'est pas ce système-là. Moi, c'est le système de... C'est le système, le fameux programme publicitaire Twitch, tu sais. Le truc un peu lourdingue, là. Et là, je l'ai réduit au minimum. On en a longuement parlé. Regardez dans la description du live aussi, si nécessaire. Si vous voulez vous rassurer sur les pubs ici, regardez dans ma description. Vous avez un truc qui l'explique, ce move. Donc là, j'attends juste que la pub, elle passe. Dans 20 secondes. Hop. Et sinon, le chat, comment il va? Il me semble que oui, Kirou. Il me semble que oui. Bon appétit, là, Clément. Hop. On va juste attendre que la pub, elle termine pour ceux qui l'ont. Comme ça, on continue, tranquille. Par contre, il se fout de ma gueule. C'est censé être... Termine dans 1 minute 20, quoi? Comment ça, dans 1 minute 20? C'est censé être des pubs de 1 minute que j'ai demandé, là. Attendez. Hein. Attends, ou alors ça l'a pas pris en compte encore? La demande était trop récente. Attends, je vais vérifier quand même dans les paramètres Twitch pour être sûr. Parce que bon, quand je demande un truc, voilà. Je saurais bien que le système le respecte, quoi. Alors, monétisation, publicité... Changer le programme. Ah non, je suis bien sur le programme de 3 minutes par heure, hein, c'est ça? Écoute. J'imagine que c'est normal, du coup. De toute façon, en même temps, je peux pas faire grand-chose de plus. Il a pris le truc le plus bas, donc... Alors, putain, par contre, moi, le timer, il s'affiche pas systématiquement, donc je sais pas combien on est, là. Merci pour le sub. Makla, merci salut pour ton sub. Salut la Hadji Boucherie. Orgida. Si dans la pulpe, elle reste en bas. Reste 5 secondes. Je peux y aller là du coup, c'est cool. Allez go, on y va. Salut Daoups. Merci Destiny, super. Je cours. C'est juste pour le provoquer. Arrête, me fais pas mal. Ah bah tiens, t'envoies là toi. Ah bah t'envoies là toi. Attends, c'est quoi j'ai récupéré? La pipille. La pipille. Oui, la pipille. On va récupérer le pompe. Non, j'ai jamais fait les révélations. Je les ai jamais fait, Daoups, dis-toi. Le fusil de pompe. Le tout coup de tôt. Vas-y. Les petits pistolets. Le petit pistolet. Je sais plus comment je le dis, ça. Le lance-grenade. On va appeler ça le lance-grenade. Spoil. Révélation révèle. Ouh. Ah, le bâtard, par contre. Putain, le pompe, il prend deux places, je crois. Non, hein. Faut voir. Ça va m'énerver, c'est ça? Ça prend deux places? Ah non. Ah non, putain, il prend qu'une place. Ouais, got the popo. Ok. Alors, attends, ce qu'on va faire... Toi, on va te mettre en 1. Toi, on va te mettre en 2. C'est déjà bien là. Oh le peupon, putain tu l'as vu hein. C'est notre meilleur ami les peupons. Et puis là, à partir de là, je commence à vraiment faire attention avec les liqueurs. C'était quoi ce...
Le joyau, pour l'instant, je sais pas quoi en faire, donc on va pas l'utiliser de suite. Salut Gorok, comment ça va? Alors attends, sont drôles les zombies quand ils volent bien? Bah oui, ils volent des fois. Et ils ont un petit peu d'humour aussi, ils pensent comme nous. C'est vraiment le début. De quoi? De la run là? Non, n'abusons pas quand même. Hein. J'ai quand même déjà bien avancé le commissariat là. Hein. C'est un début de run, mais c'est pas le début non plus, hein, c'est ça que je veux dire. Bon là attends, maintenant j'ai le peupon, ok la pile. 3 à 6 boss. À part un putain de rhume, ça va? Oh bon ça va rhume, ça va. C'est pas agréable, ça va, c'est ok tu vois. Zombie, c'est une bonne ou une mauvaise situation? Oh ça dépend, si c'est moi en face. J'aurais comme un doute. Oh putain, m'a fait peur débile. Le révélation 2 épisode 1, c'est une vraie boucherie, c'est vrai? Ah bon, on peut pas l'ouvrir ça, ok. Je sais plus. Vous vous rappelez où c'est ou pas la boucherie? Salut Rasta. Est-ce que vous avez un petit souvenir de là où je dois... La pile, je dois pas la mettre comme ça, faut pas que je récupère le pain de C4 avant? Ou alors je peux déjà la mettre la pile. Je sais plus. En vrai j'en ai plus aucune idée mais il me semble que c'est ça. Tu sais quoi, on va tenter. Ouais mais il me semblait qu'il fallait que je récupère d'abord un déclencheur dans lequel je dois mettre la pile. Mais non, peut-être... Non moi je dois dire de la merde. Révélation 3 épisode 4, c'est une vraie boulangerie. Bon, je crois que t'as raison. Il me semble hein, qu'il fallait un déclencheur. Hein. On va tester, mais... Il a l'air con ou pas à faire ça, Léon? Je suis un teubé. Eh ouais, non, c'est ça. Il faut bien un déclencheur, c'est bien ça, ouais. Alors, il faut que tu récupères un détonateur qui est au rez-de-chaussée, porte qui s'ouvre avec la pince Monseigneur. Ah putain, il est là le problème, c'est la pince Monseigneur. Allez, on redescend du coup. De mémoire, c'est Western DC. Ok. De toute façon, là, on va fouiller le rez-de-chaussée. J'étais redevenu VIP du coup. Mais coucou River, oui, c'est ça? Ouais, j'ai fait. En fait, je voulais être gentil et sympa. Et en fait, on me l'a mis dans la gueule. Même quand je suis pas bien, tu me fais rire avec tes conneries. J'ai rien fait. C'est à cause de mon téton. J'ai le téton saillant. J'ai parfois le téton marrant. Wow, petit coup de poing, River! Le petit coup de poing, wah wah! Salut, Socalypse! Où ça, un téton? Mais il y en a plein, des tétons! Qui veut un téton? Attends, c'est pas ici? Si, c'est ça le côté ouest? C'est le côté est, ça? On va retourner là-bas. Il y a une zone, effectivement, que je fouille pas beaucoup depuis tout à l'heure, c'est par là-bas. À bouler les pipettes! Oh là là, Destiny se met en ligne! En ligne! Bon, il faut du volume sous le téton. Okay, mais y'a pas de liqueur là! Oh merde! Ça a pas touché la tête! Ça a pas touché la tête, putain!
T'as touché sa vieille main là. Ah, tes grosses mains. Ah, connasse. Raté. Et un ratage pour Bushri, hein. C'est cette porte-là qui nous intéressait. Bien vu. Il va se calmer, Jonathan Davis. Le v'là, notre déclencheur. Putain, bordel de cul. Merci, bien vu, hein, en tout cas. Mon dieu, la clé-cœur. Mon dieu, ils ont cassé la porte. T'as laissé le zombie, le couteau sur le zombie au cas où. On le récupère après, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Waouh, 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 wow, pas grave. Il peut y avoir un liqueur là. Faut se méfier. Allez, on va lâcher une save. On a pas trop mal avancé, je trouve. On va se déplacer pour l'instant. On va se déplacer en étant blessé pour l'instant, donc on a pas le droit à l'erreur, ça veut dire. Hein. Voilà, un ruban à un crude. Zombie la mouche. Là concrètement, bah, ah merde, la dernière save que j'ai, elle remonte à quoi en automatique? 18h07. Ouais, effectivement, on va sauvegarder. Soigne-toi, DJ. Non, justement, après. Là, c'est de l'économie ce que je fais. Soigne-toi, DJ. Les zombies, c'est un peu l'URSSAF, tu vois. Ils viennent, hop, ils te sucent tout ce que t'as, quoi. Donc, des fois, on économise un petit peu. Pas besoin d'économie si tu te fais pas hit. Allez, dernier médaillon qui est là-bas. On va les récupérer. Salut Torek. Il passe là, putain, que ta barrière encore. Déjà qu'il économise pas ses balles, il va pas claquer d'huile en prime. Oh si, j'économise un peu mes balles quand même. Attends, tu rigoles. En hardcore, ça va, je me débrouille quand même en balles là. Ah mais je suis au top de ma vie, Torek. C'est bon, pas passant, t'as le lien dans ma description. T'as le lien dans ma description, tu vas juste en dessous du truc Amazon. Oh t'inquiète, je sais qu'il y a un liqueur ici, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Alors c'est quoi déjà le code? Mince. Alors, c'est salope. Non, c'est quoi? C'est ça. C'est salope. C'est arc de salope et serpent de salope. Ok. Salope. Arc de salope. Et serpent de salope. Pourquoi? Aucune idée.
J'avais oublié un détail, c'est que dans cette zone-là, il est scripté, ce fils de pute, et il te saute dessus direct. Hein? Tu vois, je pensais que je pouvais passer discrètement. Bah non! Bah non. Arrêtez de vous moquer, là, je le vois. This way! Quand la bombe est amorcée, passe la porte comme ça, elle n'est pas bloquée par le meuble. Ah, elle reste débloquée? Ah ouais? Même quand je me barre ou quoi? J'espère que la save était pas trop loin. Non, mais justement, j'ai sauvegardé juste avant d'y aller. Bigodi. C'est ça tout le. Nous moquer? Me voyons du Dieu jamais. Non, non, surtout pas vous, non. Surtout pas toi. Madame, je miaule comme ça de manière inopinée là. Prépare une flash pour le liqueur. Non, mais t'inquiète, on va le passer sans. On va le passer sans. Don't worry, my friend, don't worry. Comment je parle trop bien l'anglais, quoi. C'est trop oufissime. Je l'ai trop vite. Oh tant pis, du coup. Ah fallait passer la porte, ok. C'est chaud ça. Oui j'ai clair. Non, il y en a un là. Mais attends, mais pourquoi il m'attaque ici? Je pige pas les gars. Attends. Je suis rentré dans le couloir. Ok. Et j'ai pas couru. Pourquoi il est aggro là d'un coup? Tiens, qui envoie le 37ème, merci. Ouais, j'ai clairement eu chaud. Voilà ce que j'allais dire. Bon, au pire, je le déglingue. Hein. Au pire, je lui casse sa gueule et puis il dégage, quoi. DJ, soigne-toi. Je te jure que je vais pas me soigner. Je passe cette séquence sans me heal, tu m'entends? Oh putain, écoute bien. Oh putain. T'inquiète. En bas speedrun. I wanna get high, I wanna get low. Come on, I wanna smoke a little spliff with you. Meurs. Wow. Mais soutenez-moi! Plutôt que. Bon, d'accord. You know I'm not a fool. Doody doody doodoo. Doodoo. Da la 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 la. Da la 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 la. Hop là. Te soutiens la gorge. Dis, qu'est-ce qui a le plus important? Ta fierté ou 20 morts? Ah non, mais t'es malade. C'est alors ni l'un ni l'autre, c'est mon nombre de heal pour la suite du jeu qui m'importe, moi. Je veux garder du heal pour la suite. T'as la démarche d'un mec qui rentre de soirée. Faut passer la porte. Bien vu! Fucking love! Oh yeah! Attends, j'ai envie de piloter, putain! Ah non, DJ, tu nous saoules avec tes drones! Pardon, on le sait! Pilote Léon! C'est quoi déjà? Ah oui, c'est serpent de salope!
peux mourir. Dommage. Dommage, il était tourné. Putain l'enculé, allez, dernier try, après je me heal. Dernier try, après je me heal. On est à 4 morts au total. Non, en plus, non, on doit être à 5 ou 6 là, non. Genre pas coup de bien. Attends, coup de bien. Je vais pas mourir. Coup de bien, je vais pas mourir. Je suis un relou, je vais pas mourir, tu m'entends? 4 il me semble. Ok. Ça va Exodus. Impossible de toute façon. Oh putain la connerie. Oh la connerie. C'était son tacos, je te jure. Le liqueur c'était Caradoc, Léon c'était le tacos. La question c'est, est-il un tacos XL? Oh putain, j'ai parlé de tacos, j'ai roté, pourtant j'aime pas les tacos. C'est étonnant. Écoute bien DJ, au bout d'un moment, faut prendre de la weed dans ce jeu. C'est de la weed thérapeutique. On fume de la weed thérapeutique. J'aime pas ça, je te jure que j'aime pas. Les tacos en fait j'aime pas, c'est la texture du tacos que j'aime pas. Je sais pas si Léo est un tacos mais je le boufferais bien. C'est ok, c'est du CBD qui prend. C'est du CBD, bon, c'est de la merde alors. Bon. On peut le faire. On peut le faire! Attends, j'ai une idée. C'est horrible d'entendre ce truc qui arrive en courant là. La saloperie, putain! Merci pour le sub! Grignat69, merci beaucoup pour ton resub. Merci de ton soutien pour le 5ème mois. Ou pas là? Non, non! Ce bâtard il m'a mis un coup de stress! Franchement, c'est trop de l'abus, quoi! Ouais, quoi! Bon, let's go, on est passé! Ça veut pas dire que ça va bien se passer jusqu'à la fin, hein, mais. Et il suffit qu'il y ait un zombie à un endroit que j'ai pas prévu! Bam! On recommence, putain! Oh, bah il a l'air d'aller bien, le Marvin! Toujours vivant. Ouais. Ah, ouais! Ouais, t'es optimiste, toi, hein? En pleine forme, bah ouais, il est heureux, ERE quoi. Let's go! On avance! Les chiottes, c'est mort! Y'a pas de chien ici? Ça mène bien en bas. Hmm. C'est bon, on peut sortir. Marvin, je suis étonné! Un escalier qui descend me mène en bas. On fiche le camp. Je suis étonné un peu là. Marvin. On doit vous emmener à l'hôpital sans tarder. Non, je... Sauve ta peau. Allez, je vais vous aider. Va-t'en ! On peut encore sortir d'ici tous les deux. Mais donnez... C'est trop tard, Léon. J'ai essayé, tu sais. Mais j'ai pas pu l'arrêter. On peut pas laisser ça se propager. Je compte sur toi. Va-t'en. Très bien. Les petits toutous vont te bouffer le cul, DJ. Je vais leur bouffer le cul avant qu'ils bouffent le bien. Moi, je suis un bouffeur de cul plus fort qu'eux.
D'accord ? Plus fort qu'eux, plus rapide et plus affamé. Comptez sur moi, Marvin. Comptez sur moi, Marvin. Wow, 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 wow. Ok. Déjà, ça, c'est à moi, je reconnais. Oh, le ruban unique, ça, c'est bâtard. Il y a un boss, là, qui nous attend, hein, je crois. De souvenir. C'est maintenant ou c'est après le boss, je sais plus. Ok, rien. des fois, je réfléchis comme ça, moi. Attends, il n'y a pas un texte à lire avant. Avant de continuer. Non, je crois qu'il n'y a pas de boss là. Ah, c'est pas maintenant, c'est plus tard alors. Après d'abord, tu dois rencontrer Mister X. Ah oui, c'est vrai. Mister X, c'est le patron de Twitter, hein, au cas où. Là, c'est les chiens, la morgue, le parking, tout ça, tout ça. Oh putain, mais oui! Ah, mais par qui qu'on rejoignait là? Tu vois, ça tombe bien de le refaire ce jeu parce qu'il y a des trucs dont je ne me souvenais pas plus que ça. Je me rappelle, il y a un truc dans une vitrine normalement à droite là. Normalement, si tu descends, il va y avoir un truc sous vitrine. Un emblème, je crois, genre des stars ou un truc comme ça. Mister X, c'est Elon Musk! C'est pas ça! Non, mais il faut l'emblème des stars pour l'ouvrir, voilà. Il y avait un truc qui correspondait à peu près. Ok. Mister X... De quoi ? Mister X, c'est Elon Musk, fart. Ça va le chat, tu kiffes un peu? Est-ce que tu kiffes là? Moi je kiffe. Je suis en train de kiffer, et toi tu kiffes? Mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas un boss? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un premier Birkin là? Moi bizarrement j'ai un souvenir d'un premier Birkin ici moi hein. Je suis la kiffance. Oui boss. Oui c'est ça. Pardon. Ah on est d'accord, tu t'étais raté ouais. Jane Birkin? No. Salut Faladem. On l'appelle l'homme cassoulet. C'est l'homme cassoulet, il est constitué de flageolets, de cassoulet. Et en plus de saucisson et qui possède du saucisse. Putain. Pardon. Il a pas l'air de vouloir discuter. Alors vais-je m'en sortir ou pas? Mais attends, oh, je le veux en raccourci. Ah, on peut pas les mettre en raccourci les Ok. La. Pas content Birkin, ouais bah va se calmer Jean-Michel. Oh.
Ok, on va essayer de lui casser sa mère. Ok, il a rentré son deuil. Ça sert à rien si l'œil est rentré. Il est là. Comment mon birquin, viens. Bub. Ah bah ouais, bah ouais, bah là bah je pourrais pas faire Non bah non, ouais, je pourrais pas là. Ah les gars, en plein milieu du combat, je pourrais pas là. Ok. Pas de choix. Il faut que je la batte. Grosse bêtise de ma part, ça. C'est vrai que dans ce jeu, on peut pas esquiver, putain. Dans celui-là, y'a pas l'esquive. Ah. Ah, étonnant qu'il m'ait touché là. Normalement, il touche pas quand tu fais ça. Ok, bon. Eh ben pas grave, on y retourne. Ok, ça va le faire. Ouais, c'est bizarre, d'habitude, il touche pas quand tu fais ça. Bon bah du coup, au moins ceux qui ont pris la pipe dans la tronche, bah au moins vous allez pouvoir avoir tapé le combat complet. Hé hé. Hé hé. Pardon, comme l'alerte follow. Le beau jeu, c'est pour la pub. Ouais, exactement, c'est uniquement pour ça. On va tirer à la. Au flingue. En fait, t'as pensé à nous, exactement. Enfin, vous. Bah, vous êtes sub, donc non, en soi. Mais ceux qui sont pas sub qui ont pris la pub, ouais, ouais. Fin de la pub dans 20 secondes. Je la trouve terrible sa première forme, elle est cool, ouais. C'est quoi ça? Ça fait mal! Finito! Re les gens qui avaient la pub. Allez, on va passer à la cinématique du coup. Il me paraît un peu tôt là. Ah non, c'est bon. C'est bon. Allez, vas-y mon loulou, cours avec ton super jean. La gogolité, let's go. Merci beaucoup, Miss Pons, ça peut faire un loufou du max. Merci, c'est adorable. Ah, il a fermé l'œil. Ok, commande. Il s'était arrêté, j'ai fait pareil. Il a fermé l'œil là, il a rouvert. Non, il l'a fermé. Non. Bah si, j'ai dit si. Oh. Re la Clément. J'ai plus. Petite question le chat. Quand l'œil n'est pas là, ça sert à rien de tirer, on est d'accord? Ou est-ce que je peux tirer comme un bourrin dans sa grosse tête là? Ah, j'ai un doute, il me semble qu'il y a que l'œil qui est efficace, hein. Que l'œil, hein, ouais, c'est ça. Sacré conjonctivite, ouais. Bah,
Faut que tu le ralentis, mais pas sûr. Ouais, ouais. Merde. Oh, c'est de ta chance là ce qui s'est passé. Ok. Ok, ok. Pas le choix. Il faut que je la batte. Oh, il est proche. Pas le choix, faut que je la batte. Non, non, bah je suis. C'est pas du tout ce que je suis en train de faire, hein. Pas du tout ce que je suis en train de faire. T'es relou, Jean-Michel. T'es relou. Aïe. Ah, j'ai cru qu'il allait me hit là. Vas-y. Eh merde, ça, cul-de-sac. Grosse connerie de ma part, ça. Yo, Kachibiru. Non. Niveau heal, je suis comment? Ah, vas-y, tu sais quoi? Vas-y, go. Je sais pas si ça va tanker un autre coup. Petite greu. Ouais, je crois qu'on va finir effectivement par faire ça, ouais. Non, là il sort pas. Bah si, il est sorti quand j'ai tourné le dos, quoi. Quoi sur moi? Ouais, j'ai plus grand chose d'autre à part juste des balles, quoi. Ok. Bon, monsieur, à un moment donné, faut peut-être songer à, je sais pas, à mourir, quoi. Oh merde! Comprends-le, il a besoin de lunettes. Ok, reprend sa course. Il est méchant le monsieur, un petit peu, mesdames. Un petit peu. C'est pas le mec le plus sympa qu'on a rencontré, quoi. Vous êtes sûr qu'on peut pas le faire spawn son œil en tirant sur la zone où il est censé être, non? Merde. Il est où? Oh, j'aime pas ça. Oh, j'aime pas ça. Il me semble qu'il te tombe dessus à partir de là, non? Ça. Oh, fils de pute! Oh, fils de pute! Headshot et il ouvre l'œil, ok. Ah, le bâtard! Il m'a mis un vieux hit, quoi!
Tire, cours, tire, cours, tire. Ouais, bah oui, c'est ça. Ok, donc là, faut que je back. Au moins. Ok, ouais. Effectivement. Ah, l'œil, il devient coloré, là. Non. 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 Putain, à cause de la rigidité du perso, non. Ah, je suis dégoûté, là. Ok. Merde. Juste à cause d'un truc, hein. À cause d'un truc, à cause juste du fait que mon perso, mais il a, je sais pas, il a bouffé le mur. Il a fait un move, il a mangé le mur pendant une demi-seconde. C'était la demi-seconde de trop. C'était la demi-seconde de trop, celle-là. C'est tellement charismatique, ce perso. Ouais, j'avoue. T'as fait squitch. Ouais, un petit peu, ouais. Je croustille plutôt bien. J'ai tendance à croustiller de façon croustillante. Tiens, t'as vu le move qu'il a fait en sortant de l'ascenseur, par exemple? Il a une certaine rigidité, notre personnage, et ça peut vite te mettre dans la merde. DJ... Ah oui, non, moi, je suis mieux qu'une chips, moi. Ah bah, je croustille plus qu'une chips. Souviens-toi de tes horribles années sur DBD. Horribles années, c'est-à-dire? La fée du sel. Bon, non. Surtout qu'on y rejoue de temps en temps. Bon, ça fait un moment que j'ai pas rejoué, là, mais... Non, mais on y joue en plus. Avec la communauté. Laisse-moi être ta chips. Oh ouais, oh ouais, de ouf. Ça fait pas. Eh oui. T'as pas l'air de vouloir discuter. Ah d'accord. Allez. Ah. D'accord. Ah ouais, le headshot, ça fait sortir l'œil. Ah ouais, il fait... Ah ouais, il est sorti à fond l'œil, quoi. J'en ai même vu deux. Quel voyant d'avait. Ça s'appelle un fils de qualité. Oui, monsieur, oui. Juste ça le stun, ouais, en fait c'est ça, y'a pas le choix, faut patienter puis c'est tout quoi. Oh, fait chier, putain, il est long le boss pour pas grand chose du coup. C'est quoi ça? C'est ça le choc d'enfer. Par contre, vous êtes sûr qu'il y a pas une petite technique là pour maximiser la sortie de l'œil? Ça s'appelle surtout la barre de fer. DJ préfère le fist fucking. Ouais, le fisc fucking, ah ouais, je confirme ça. Ah, le fisc fucking, c'est ce qu'on se prend en ce moment. T'as pas l'air de vouloir discuter. Oui, oui, on sait, on sait. Allez. L'œil est fermé. Ou pas. Hello, Kat, comment tu vas? Alors, comment, Marie Louloute? Mon héros préféré. Ouais, celui-là, ouais, j'aime bien tout, moi, tous les remakes, je les kiffe pour l'instant. En vrai. Mais je pense que lui et le 4 sont clairement mes préférés aussi, ouais. Ouh, ça pue! Ok, je suis chaud. Pas le choix. Il faut que je la batte. On est d'accord, ces petites phrases sont magiques, hein. Oh là là. Dans le sens où ça veut dire que on avance dans le combat, quoi.
Il y a des balles là. Oui, enfin je crois, il me semble hein. Il me semble que c'est ça aussi. Attends, il faudrait la plante rouge idéalement là. Non, j'attends pas. On a pas le temps. Ah, vrai. Oh, on sait jamais. Dans le doute. Ah, ah putain, heureusement que j'ai eu le réflexe. Oh là là. Oh le réflexe, il était bon. Oh putain. Il y a un couteau, non? Ouais. Ah non, pas un couteau, hein. Une grenade. En soi, sont vraiment pas durs, quoi. C'est vraiment pas compliqué comme combat. C'est juste que c'est un peu long. Faut garder la... Faut garder son endurance, quoi. On va dire. Il va sûrement avoir faim, le monsieur. Ouh, clairement. Clairement, c'est pour un mode du best-of, là, qui gueule. Après, ça gicle là, en bizarre, hein, même quand l'œil est fermé. C'est marrant, certains cris de ce boss me rappellent mes hémorroïdes. Ah merde, enfin je rigole, c'est pas marrant. C'est pas marrant, putain. Merci pour... Et merci Rikta. Ça fait mal. Mais non, c'est ce que tu dis, ça. 68 mois, ça fait beaucoup. C'est 68 ou bien 48, 20 ou encore 17, 4. Tout ça pour dire beaucoup de kiff. Ah, ça veut pas l'ouvrir. Populopalou, ça veut pas l'ouvrir. Hein. Il y a des freins. Merde. Virus. Comment je viens. Ah merde. Ah bah j'ai mouru. Hein. C'est ça. Ah non, c'est bon. Ok, on va pouvoir se permettre un heal. Je me suis complètement raté de couloir en fait. La grosse bêtise. Couteau quand il accroupit, mieux. Ah, j'aurais pas le temps, laisse tomber. Laisse tomber, j'étais trop loin. C'est lui ou quoi? Mais il meurt maintenant, mais grave. Dire être Satanas. Oh merde, merde. Putain, j'ai failli me la prendre celle-là. Salut en coup. J'ai trop de temps. Il met trop de temps des fois à bouger. Ah, il fait des moves bizarres des fois. Arrête de faire des conneries.
J'aime pas quand il est proche comme ça. Comment ça te vénère? Ouais. Carrément. Mais même l'œil a changé de couleur, tu remarqueras que l'œil est beaucoup plus foncé que tout à l'heure. Salut quoi? Ah. Bah voilà. Let's go. Je te baise Birkin. Ouais Birkin. Bonjour. Oh tu peux. Pourquoi? Papa? Quelqu'un m'observe. Chérie, est-ce qu'il y a une semaine, je te disais pas chérie, je fais d'avis que tu t'arrives complètement. Oui. Tu vas avoir un vrai médecin. Mon cœur, arrête-toi, complètement. Parce que toi, ça démarre trop mal. Et tes douleurs et tout. Ouais. Petite fouille, ça va pas les nausées, hein. Elle se voit pas de bosser demain, là, dans l'état où elle est, hein. Enfin, ça va pas. Quelqu'un m'observe, il a dit. De quoi? Je sais pas, de quoi? On va voir le médecin. Ah bah là, là, re-rendez-vous encore chez le médecin, là, dans un quart d'heure. Et moi, c'est ce que je lui ai dit dès le début. Je fais, tu sais, ma chérie, moi, je serais d'avis si tu peux. Arrête-toi pendant toute ta grossesse, hein. Let's go. Hein. Arrête-toi complètement parce que, vu les nausées qu'elle se tape. C'est juste désagréable pour elle en fait. Ah, John Bedier, merci. J'aime bien faire si vous pouvez vous permettre. Bah écoute, oui, ce que je disais, on va essayer de tanker avec la. Avec les revenus que j'ai sur la chaîne et tout quoi, tu vois. Ça se fait, tu vois. Si c'est pour la bonne cause, moi je veux qu'elle soit bien cette fille. Je veux pas qu'elle se sente mal, tu vois. Ma compagne, c'était juste en voiture. C'est vrai, moi? Ah ouais, non, elle, c'est tout instant, là. Premier, ouais, je viens de dire. Salut, Zonix. DJ m'a marié. C'est important pour aller le bébé. Mais bien sûr. C'est super important. Moi, je veux qu'elle soit... Qu'elle soit à l'aise, que ça se passe bien, qu'elle puisse souffler tranquille quand elle a besoin, qu'elle puisse, voilà. Qu'elle ait le temps, en fait, tout simplement. Qu'elle ait du temps pour elle. Et quand les nausées, elles sont là, bah, qu'elle puisse juste se reposer comme elle le peut, quoi. Personne n'est pareil. Au début, c'est plus emmerdant là-dessus. Après, c'est le poids qui pèse sur toute chaîne. Ah oui, normal. Elle a besoin de quoi, foufou? Allez, dans le secrétariat médical, en quelque sorte. Le secrétariat médical, mais Mais je la vois, de toute façon, je la vois. Elle qui a tout le temps le smile de ouf du matin au soir, forcément, quand je la vois avec les yeux comme ça, je le vois tout de suite. Ouais, vous l'avez vu, elle a peine assez montée, je fais, oh, t'es les petits yeux, toi. Direct, je le vois tout de suite. Vous verriez à la maison comment je suis avec elle. Non, c'est pas forcément vrai ça, Chatou. Ça peut être toute la grossesse. Ça peut durer tout le long. Ça peut. C'est pas forcément le cas, mais ça peut. Tous les quarts d'heure, tu verras à la maison quand je suis pas en live. Ça va, ma chérie, t'as besoin de rien. Tu veux que je te ramène un truc et tout. J'ai toujours comme ça. Et tu verras, dans 4 mois, on va briquer toute la baraque. Ah bon, pourquoi? Ah, parce que ça fait partie de vos trucs bizarres, à vous, les filles. D'un coup, quand vous êtes enceinte, d'un coup, vous mettez à briquer les maisons. Oui, ah ouais. Trop bien. Qu'est-ce qu'on fait? Il est 20h32. On va peut-être arrêter la première partie de cette run, on va l'arrêter là et on va enchaîner sur de l'horreur. Ça vous va ou pas le chat? Est-ce qu'on fait ça? Merci infiniment en tout cas d'avoir regardé ce premier épisode de RE2 Remake de Helltapes. Et on se dit évidemment à très bientôt pour la suite, putain! Abonnez-vous!